Franchement, Jules, t'es pas une main morte. Tu l'as pas loupé. Oh, il va s'en souvenir de celle-là. C'est qui ce vieux? À vue de nez, je dirais Dumbledore. Ou le père Fouras. Ou Barbossa, le capitaine Barbossa. Ou Panoramix, c'est notre Panoramix. Merlin l'enchanteur. Bertrand Delanoë. Arrache le morceau, Gandalf. On est le 24 décembre, j'habillé en rouge, avec ma grosse barbe. Ho 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 ho. Bon, je prends le coup sur la tête à rendu Gandalf amnésique. Comme vous avez pu le constater, il se prend pour le Père Noël. T'as fait quoi ce week-end? Je sais plus. Bah voilà, c'est ça l'amnésie. Ah ouais. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le jeu de Gandalf et lui laisser croire qu'il est le Père Noël. Ah oui, le Père Noël. Oh oh oh. Pourquoi cet air interrogatif? Vous me paraissez bien dubitatif. Allez donc voir dans ma hotte si mon cadeau vous botte. Qu'est-ce qui vous arrive, Père Noël? Je crois que je suis pris d'un fou rire. Petit Papa Noël, tu es descendu du ciel avec des jouets par milliers. Mais cette année, je les ai tous piqués. Cette année, je crois que Noël va avoir besoin d'un coup de pouce. Laissez-moi vous conter l'histoire de ce fameux LM. Il se cache sous un pseudonyme, mais en réalité, ce malandrin se prénomme Lutin Maléfique. Depuis des années, il me poursuit, sans relâche, dans le but d'exterminer le bonheur présent au sein de chaque famille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à déjouer ses plans les plus machiavéliques. Mais cette année, la donne a changé. Trois abrutis me sont tombés dessus. Et voilà où j'en suis. Bref, vous n'avez qu'une mission. Sauver Noël. Vous m'avez pris pour un tonton? Nous? Oui, vous! Où est notre Noël? Comment on vous l'a pas vu. Mais Jules, il a explosé Gandalf! Qui est-ce qui parle? Raph, Gandalf, oublie, c'est le Père Noël maintenant. Ah oui, le Père Noël! De lui, tant traînant, carotte de père en vitre, fidèle compagnon de Monsieur Noël! Mais c'est un traîneau qui parle? Non mais c'est un traîneau qui parle! Mais j'ai pas toute la nuit, moi! De toute façon, Marie-Claude? Marie-Claude, Jean-Claude. Mamie Claude, Marie-Claude, Jean-Claude. Et pourquoi cet accent asiatique? Le Père Noël, il vient de la Bonnie, c'est complètement débile! Je voulais déjà dire, de tout un traîneau, c'est Monsieur Noël qui a ajouté la toute dernière extension vocale. C'est le bouton que vous voyez sur votre droite. D'ailleurs, de la dépeste, quand de démarre en trombe, t'attends le même et t'as le même. Bon, écoutez, Monsieur Traîneau, racontez-nous une petite blague sur le Père Noël, on va essayer de régler votre problème. Comment on appelle trop une fois? Un chat tombé dans un pot de peinture. Le soir de Noël, tabernacle. Un chat reine de Noël. Oh, bonne mère, vous avez retrouvé ma vraie voix. Vous m'avez l'air fort sympathique. Où voulez-vous aller? Le lutin maléfique, on veut aller voir le lutin maléfique. C'est fada. En route, les minots, ça va être tapé bien. On t'attend.
attache les ceintures, fermeture des écoutilles. La température extérieure est de 2 degrés. La compagnie Air Lampoignant est heureuse de vous accueillir. Prochaine fois, prends tes scratchs. C'est le cadeau de mon copain Jean-Eudes, il va être trop content Jean-Eudes. Si le cadeau de Jean-Eudes est par là, peut-être que le nôtre aussi. Ah ouais, 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 cherchons, cherchons. Oh, je l'ai. Une facture. Poubelle. J'ai enfin réussi à avoir tous les cadeaux. Et où se chale Lucifer? Lucifer! Ça me paraît clair comme de l'eau de roche, ce lutin est vraiment maléfique. C'est pas un lutin, c'est une lutine à grosse tétine. Je vais lui casser la poupine. Attends, le Père Noël nous a lancé... C'est Gandalf. Le Père Noël nous a lancé une mission, celle de sauver Noël. Bon, on va se battre, vous le tenez, je le défonce. Mais pas trop vite en besogne, camarade. Laisse-moi d'abord expliquer mon plan. Il est trop cool ton plan. Bon, laissez-moi vous expliquer. Première phase, la diversion. Le but, attirer l'attention de cette... vilaine canaille, par l'intermédiaire d'une entrée fracassante. Raph, faut que c'est dans tes cordes. Deuxième phase, la plus importante selon Jean-Pascal, la provocation. Un agitateur, un provocateur. Le but, clairement de rendre cette fripouille complètement hystérique par l'intermédiaire de petites mimiques des plus agaçantes. Raph, faut que c'est également dans tes cordes. Et là, on le défonce, on lui plie les genoux, on lui prend les oreilles et après on prend le chien. Doucement, doucement, pointe trop vite en besogne, bonhomme. Troisième phase, sûrement la plus douloureuse à mon goût, la dévotion. Appelée aussi l'abnégation, souvent lors de cette phase que l'on entend le terme de blessure de guerre. En bref, la soumission est au service de la mission. Quatrième et dernière phase, c'est là que tu rentres en jeu mon cher Jules, la démolition. Bon, je n'ai pas besoin de te faire de dessin, mais en clair, ça va sacrément barder. Raph, t'as compris? Oui. Tiens-toi prêt, mets-toi en place. Jules. Non, je vais aller voir ce lutin, je vais lui montrer de quel point je me choque. Calme-toi. Ami Claude,
Marie-Claude, Jean-Claude. Pense juste à ta phase. La démolition. Et surtout, oublie le chat. Démolition, pas 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 le chat. Démolition, le chat. Démolition, le chat. Coucou. Sympathique cet intérieur. Alors, tu pensais pas qu'on t'attraperait, lutin maléfique. Qu'on réussirait à déjouer tes plans, mais pas qu'un peu. Déjouer mes plans? J'ai totalement réussi à gâcher la fête de Monsieur Noël. Il l'a bien mérité. Ne parle pas de mal du Père Noël. C'est quelqu'un de bien, qui tente d'apporter du bonheur au sein de chaque famille depuis des décennies. Chaque Noël, c'est une véritable réussite, grâce à lui. Quelqu'un de bien, votre soi-disant bienfaiteur. Fois que vous n'avez jamais vécu avec lui au quotidien. L'avarice est un vilain défaut, capable de transformer un gentilhomme en une personne avide de pouvoir. Vous savez ce qu'il m'a fait, ce scélérat? C'est sans scrupule qu'il m'a remplacé par des travailleurs chinois. Et ce, sans aucun remords. J'ai jamais été en retard. Pas une seule fois j'ai simulé une maladie pour avoir une bonne grasse mat. Peut-être une fois... J'ai passé près de 30 ans à servir Monsieur Noël. Et pourquoi? Pour être viré comme un malpropre. Ils m'ont piqué mon travail. Mais le vrai fautif, c'est Monsieur Noël. En me révoltant ce soir, c'est l'âme et l'esprit de tous les lutins et lutines du monde entier qui sont désormais vengés. Eh bah putain! Tu sais, lutin, tu parles d'avarice. Mais sans vouloir t'offenser. En privant le Noël de milliers d'enfants, ne serait-ce pas toi, au fond, l'avare de cette histoire? Alors, je suis devenu comme lui. J'ai perdu toutes les valeurs auxquelles j'étais rattaché. Et même mon boulot. Mais tu sais, on fait tous des erreurs. On les répare et on les assume. Écoute, lutin. Tu n'as pas répandu que le mal autour de toi cette nuit. Tu nous as aussi transformés. Regarde, Raph. Il a grandi, Raph. Et Jules? Jules, il a mûri. Et moi? Enfin, ce n'est pas le propos. Quel est ton prénom, lutin? Lucien. Et mon chat, c'est... Écoute, Lucien. Le travail, ça se trouve. Et ce soir, on n'a qu'une mission. Sauver Noël! Allez, Charles. Nous devons rendre tous les cadeaux avant le lever du jour. Bon amère, inutile de vous inquiéter, allez, en route à la compagnie! Un canon par-ci, un canon par-là, vraiment fan des chichoules! Que c'est bon de rendre les gens heureux! Ah là là, qu'est-ce que vous faites sans moi? On dit merci qui? Oh, ça va toi! Je te rappelle juste qu'on rattrape tes caprices de petit ouvrier! On peut toujours te ramener et te laisser sangler au fauteuil! Écoute-moi bien, nerveux chatophobe! Déjà, j'ai... Le Milo, va pas s'embroucaner le soir de Noël! Monsieur Trello, permettez-moi, mais que faites-vous le reste de l'année? Ça, mon petit, ça s'appelle le secret professionnel. Mais je suis loin de me tourner les pouces. Bah, c'est normal, vous en avez pas. Monsieur Traîneau, vous avez quel âge? C'est pas bientôt fini, toutes ces questions. Concentrez-vous sur votre mission, Barney. Ouais, mais on a déjà fait la moitié. En réalité, cela fait exactement 32 minutes que nous sommes partis. Nous n'avons distribué que 187 cadeaux sur les 10 000 prévus. Ce qui
fait un total. Ça suffit, on s'en fiche de tes longues réflexions et tes calculs à deux balles. De toute façon, il y a toujours un moment où je... Mon ami Claude, Marie-Claude, Jean-Claude, tu sais quoi? Eh bien, j'ai bien envie de te dire que... Oh, n'en dis pas plus. Tonton, on dit long. Tonton? Mais pourquoi vous avez rajouté un personnage? Je vais encore passer pour un imbécile, mais je comprends bien, moi! Mais qu'est-ce qui m'a pris de leur venir à nez à ces trois abrutis?